le monde. Alors oui, je sais, vous allez me dire, quoi, encore une lampe au light. Écoutez, les stands de tir sont fermés. Et de toute façon, la plupart des stands de tir refusent qu'on filme dans leur enceinte. Il y a le confinement, il y a le couvre-feu, il y a. Voilà. Donc en ce moment, à moins d'être aux US ou d'être dans le métier même du tir, c'est impossible de tourner des vidéos incroyables pour vous. Voilà, donc je vous présente du matériel, puisque ça fait quand même la partie intégrante de la vie d'un tireur sportif. Et quoi de mieux pour parler matériel qu'une marque de qualité. Et là aujourd'hui, on a encore une lampe Olight, c'est la Warrior X Turbo, proche cousine de la Warrior X Pro. Donc on va voir ensemble les différences. Donc désolé, j'aimerais bien vous proposer des vidéos de tir incroyables, de présentation d'armes, mais je ne peux pas vous faire de vidéos de tir, je ne peux pas vous présenter régulièrement des armes différentes puisqu'il faut se les procurer, et c'est pas évident, etc. Donc je vous fais principalement effectivement des vidéos de matériel ou de tutos, d'administration, etc. Tout ce qui tourne autour du tir finalement, pas que l'action de tir en elle-même. Donc là, cette lampe que j'ai en édition limitée, forcément parce que moi je suis un gros chanceux, donc en couleur tan, et elle est magnifique autant sur la boîte, vous verrez, qu'à l'intérieur. Donc nous allons l'ouvrir puisque je sais que vous êtes friands. Alors ce qu'on voit d'unboxing, alors ce que je vois tout de suite, c'est qu'il y a donc une portée de 1000 mètres maximum et 1100 lumens maximum. Alors vous avez vu que les lumens sont moins élevés que sur d'autres lampes Olight, notamment celle-ci hein, qui est à 2250 lumens et qui est donnée avec une portée de 600 mètres. En fait c'est normal parce que vous voyez que la forme a complètement changé au niveau de l'optique, ce qui fait que ça augmente la portée avec moins de lumens. L'avantage d'avoir moins de lumens, c'est que du coup vous aurez plus d'autonomie. Donc elle est plus, on va dire, travaillée pour la portée et l'autonomie. Donc toujours petit mot Olight qui nous remercie pour l'achat, ici petite consigne de mise en service de la lampe, première charge, etc. Je vous rappelle que c'était batterie de lithium, donc c'est important de faire attention à ça. Et là, on enlève ce petit papier jaune, et tout de suite, on a la lampe. Donc évidemment, hein, comme je suis quelqu'un de méchant, je la mets de côté, puisqu'on va s'intéresser au contenu de la boîte, donc on a encore un merci au fond de la boîte, c'est très gentil. Merci à vous Olight. Donc je vais mettre la boîte par là. Voilà, ça nous fera un petit décor. Ici donc on a tout ce qui est accessoire. Donc comme sur la Warrior X Pro, on a une bague qui va venir se mettre sur la lampe pour changer la prise en main, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Les fameux câbles magnétiques de chez Olight. Voilà. Avec indicateur lumineux pour la charge. Et une dragonne, la femelle du dragon. Toujours hein, cette blague, je la fais à chaque fois. Je sais que ça vous énerve, mais moi ça me fait rire, donc voilà, je la fais quand même. La dragonne, voilà. Et donc ça, après, on a une notice, mais une notice, hein, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est pour les faibles. Non, je rigole, consultez la notice, des fois, il y a des choses intéressantes dedans. Surtout quand vous avez un problème avec la lampe, enfin, ou surtout l'objet voilà, en lui-même. Donc, première chose qu'on voit, c'est l'étui qui a changé par rapport à ceux de la Warrior X Pro, qui n'est plus du tout pareil. Voilà, donc déjà on a la fin qui est ouverte avec un accès au bouton. Là on avait une ouverture aussi, mais de toute façon bon, c'était plutôt ici la vitre de la lampe qu'on mettait en bas. Voilà. Et ici c'était un aimant, alors qu'ici maintenant c'est devenu une pression, et je préfère la pression. Alors c'est plus dur à refermer qu'un aimant, mais néanmoins ça sera plus fiable, quoi. Voilà. Et ici un passant à la ceinture avec une pression, et ici c'est des scratchs. Alors au début j'ai vu les scratchs, j'ai fait oulala, ça c'est pas un bon plan, des scratchs pour fixer une lampe à une ceinture. Et en fait ils sont bien puissants, et de par ce, comment dire, les scratchs fermés comme ça, et ben une fois qu'ils sont sur une ceinture, vous voyez, je mets toutes mes forces, ça part pas du tout, parce que c'est pas du tout une pression dans ce sens, c'est vraiment par en dessous. Et du coup j'ai essayé de l'arracher, j'ai pas réussi. Donc finalement les scratchs, on peut leur faire confiance, c'est pas un souci. Voilà, donc l'étui est modifié. Ici on a une sorte de néoprène à l'intérieur, donc ça sera bien pour contre l'humidité, tout ça. Allez, on va sortir la lampe. Je sais que vous allez devenir fous sinon. Hop, voilà. Voilà la lampe, donc comme d'habitude, très beau design, très belle couleur en tan. Un peu effet magnétique, mat, enfin c'est magnifique, moi j'adore. Voilà. Donc on voit hein, l'optique est clairement différente, beaucoup plus large. Vous voyez, c'est dû à ça qu'on a une portée vraiment énorme. Voilà, avec pourtant moins de lumens.
Donc je vais vous montrer l'intérieur de l'optique. Donc comme sur la Warrior X Pro, on a ici une bande bleue tout autour de l'optique qui fait qu'une fois qu'on a allumé la lumière pendant un moment, et ben après une fois qu'on l'éteint, on a ici une zone réfléchissante verte. Donc c'est plutôt pratique si on est dans le noir. Avant d'aller plus loin dans la description des caractéristiques de cette lampe, je vous informe que justement à l'occasion de Noël, Olight fait des promos énormes sur leur site. Donc vous avez par exemple sur cette lampe, donc moins 30%, elle est également disponible en kit avec une i3T EOS à moins 40%, et en fait c'est très intéressant de voir le kit, vous regarderez vous-même, mais il y a 2 ou 3 euros je crois de différence pour avoir une lampe supplémentaire, donc ça vaut vraiment le coup. Donc comme d'habitude, utilisez les liens dans la description, c'est des liens affiliés, hein, je ne vous cache rien. Ce qui permettra, vous de toute façon vous profiterez des mêmes réductions, ça ne changera rien pour vous. Par contre moi ça m'aidera, puisque c'est des liens affiliés, donc dès que vous ferez un achat en passant par ces liens ou visiterez le site, et ben moi ça me rapportera un peu d'argent qui me permettra de vous présenter d'autres matériels, etc., etc. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, passez de préférence par ces liens sous ma vidéo. Petit ajout en cours de vidéo, donc là vous avez un spoiler de ce qui va se passer plus loin dans la vidéo, et ouais. Donc la promo de chez Olight, je ne l'ai pas dit, mais elle est du 13 décembre à 20h au 17 décembre à 23h59. Voilà. Différence avec la Warrior X Pro, c'est que ici on a un pas de vis qui est venu s'ajouter pour pouvoir fixer le même contacteur que sur la Odin. Donc c'est le contacteur ROD 7, voilà, push to lock. Donc ça c'est pas mal qu'ils aient ajouté ça, on n'est plus limité au contacteur magnétique classique. Mais encore une fois, je vais vous montrer tout à l'heure différents montages sur armes avec les contacteurs, etc. Toujours notre petit clip ceinture. Et puis lampe tactique, donc on a un seul bouton ici, simplifié avec 2 modes d'éclairage, ce qui nous permettra d'éviter justement des manips trop complexes ou foireuses lors d'une utilisation en tactique. Voilà. Avec toujours les griffes ici, hein, pour protéger le bouton, voilà. Et pareil ici, les dents très solides qui peuvent servir d'instrument de frappe ou aussi tout simplement pour protéger l'optique, hein, lorsqu'on pose la lampe, etc. Attention, si vous voulez acheter cette lampe, il faut que je vous avertisse que vous êtes obligé de vous abonner à ma chaîne, une chaîne superbe qui vous a permis de découvrir dans les détails cette lampe. Sinon, tout simplement, on va vous prendre votre argent et pas vous envoyer la lampe. Vous êtes obligé de vous abonner. Voilà. Évidemment, je rigole, c'est une grosse blague, pas drôle comme d'habitude. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Mais voilà, abonnez-vous, ça soutient la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc comme d'habitude, finition très soignée, bonne sensation en main de qualité. Donc je vais, d'ailleurs la qualité elle y est vraiment, puisque Olight garantit cette lampe 5 ans, comme beaucoup d'autres de leurs lampes. 5 ans c'est beaucoup sur une lampe qui est donnée pour être IPX8, donc étanche à 1 mètre pendant 1 heure. Alors c'est ce que dit la norme, hein. Après ça peut être, en général c'est plus, hein, mais voilà c'est au minimum, donc c'est déjà assez bien. Donc si on peut dire que c'est une lampe étanche. Et en plus résistante aux chutes sans aucun souci, donc garantir une lampe avec ces caractéristiques là c'est osé, puisqu'on sait que l'utilisateur en général en fera un usage un peu violent. Voilà, donc je vous disais qu'elle est compatible avec le contacteur push to lock de chez Odin que je n'ai pas ici sur moi, mais elle est également compatible avec les contacteurs classiques magnétiques comme celui-ci qui est de mémoire, je sais plus, oui, le RWX07, d'accord, et celui-là également, évidemment, qui est le RPL7. Et évidemment, on peut s'asservir, comme sur la Warrior X Pro, de ce montage-là, le EWM25, d'accord, pour monter notre lampe sur un rail. Donc évidemment, les contacteurs et ce montage sont en option, sont à acheter à part avec la lampe, puisqu'évidemment, on n'est pas obligé d'utiliser cette lampe sur une arme. Allez, on va continuer à rentrer dans le détail de cette lampe. Comme d'habitude ici, ça s'ouvre pour changer les batteries et avoir accès. Donc ça, c'est bien, hein, que la lampe ne soit pas morte quand la batterie est morte. Donc on est toujours sur les fameuses batteries lithium, 5000 mAh et 3,6 volts. Voilà, donc ça, c'est vraiment des batteries très bien, très fiables et avec une bonne autonomie. Donc caractéristiques de la lampe. On a donc un faisceau maxi de 1000 mètres, donc en distance. Vous verrez dans les images que je vais vous mettre, hein, on a vraiment un faisceau très concentré qui va très loin et un faisceau à un halo plus large qui éclaire vraiment toute la zone. Donc c'est très pratique et très intéressant, ça nous permet de voir à la fois loin et à la fois autour de nous. Performance maxi de 1100 lumens, donc type de charge en chargement magnétique. On a donc une intensité lumineuse en candela de 250 000, donc ça commence à faire. Donc on a un réflecteur qui est lisse, d'accord, ici. D'ailleurs,
les vitres de chez OLED sont tout le temps très très solides. Donc un interrupteur arrière avec deux modes. Donc si on appuie doucement, pas complètement, hop, on a le mode faible, qui est déjà puissant évidemment. Vous voyez sur la caméra ici, on voit même pas l'intérieur tellement c'est fort et c'est le mode faible. Donc on a le fameux halo et ici le faisceau concentré qui va aller loin. Donc vous voyez que là déjà le mode faible est très puissant, donc il faut s'éloigner un peu et là voilà, vous commencez à voir un peu ce qu'il y a dedans. Mais on voit que c'est déjà puissant. Et le mode puissant évidemment, bah là qui, voilà, encore une fois, on se retrouve avec, donc je vais zoomer hein, pour vous voyez mieux, mais voilà, on a le halo large et ici le concentré. Donc bon, de toute façon, je vais pas vous faire un dessin, vous verrez avec les vidéos et avec ce qu'on sait de Olight, vous verrez que c'est très puissant. Donc on va dire que c'est la série M, hein, comme chez les BMW, celle-là c'est la série donc, tactique, militaire. Donc on a, je vous rappelle, deux niveaux. Alors le premier niveau qui va être à 1100 lumens, puis à 600, puis à 300, puis à 150 lumens, puisque vous savez que les lampes baissent leurs lumens chez Olight pour éviter la surchauffe, et puis pour préserver la batterie. Donc je vais vous donner l'autonomie. Donc à 1100 lumens, on a quand même 6h05 d'autonomie, donc c'est pas mal du tout. On a ensuite 105 minutes à 600 lumens, 27 minutes à 300 et 52 minutes à 150 lumens. Donc ça, c'est jusqu'à épuisement de la batterie, si la batterie est pleine, évidemment. Ensuite, donc, et une portée de 1000 mètres, voilà, lorsqu'on commence. En tout cas, lorsqu'on commence à pleine puissance, en tout cas. On a ensuite le niveau 2 à 150 lumens, qui reste à 150 lumens, qui n'évolue pas, et qui, lui, a une autonomie de 12h05. Donc c'est énorme, surtout que le mode à 150 lumens, c'est déjà très puissant. Et une portée de 360 lumens. Donc elle n'a pas de mode stroboscopique comme sur la Warrior X Pro. Donc je vous l'ai dit, elle est normée IPX8, donc vous n'avez pas de souci à vous faire pour l'appui ou l'immersion. Vous pouvez la foutre dans votre baignoire pour faire mumuse avec, ou la faire tomber dans une rivière, une grotte, une piscine, peu importe, vous faites ce que vous voulez, elle est étanche. Un poids de 239 grammes. Une longueur de 157 mm, un diamètre de la tête de 58 mm, ici, et un diamètre du corps de 26,2 mm. Voilà pour les caractéristiques de la lampe. On va passer un peu au montage sur les armes et le fonctionnement des accessoires. Alors d'abord, ici, on a la bague de préhension qui est fournie avec. Donc, vous voyez que par défaut, ici, on a le clip ceinture et cette bague un peu en étoile. Donc on a déjà une bonne prise en main. Hein. Mais je vais la changer et vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc ce qui nous permet de supprimer le clip ceinture. Donc on a une très bonne prise en main puisque cette pièce est en caoutchouc, du coup, enfin en sensation caoutchouc, hein, ce qui nous permet vraiment de bloquer sur la paume de notre main. Voilà. Je vais donc le laisser en place pour montrer les différents accessoires. Donc ici on a le WM25. Donc tout ça c'est en option. Hein, ça c'est en option et les câbles de contacteurs déportés en option également. Donc pour le mettre, on est obligé de démonter le cache et la bague. On glisse. Voilà, une fois que c'est glissé à l'intérieur, on remet notre cache. Voilà. Et là, on va pouvoir venir serrer ça sur notre arme. Donc, on vient juste ici glisser sur le rail, rail Picatinny ici. Voilà, ça tient et on serre avec cette vis, il y a juste à soulever la vis et à tourner. Parce qu'il y a une sécurité évidemment sur la vis pour pas qu'on vienne à dévisser sans le vouloir. Ouais, donc là c'est un peu galère hein, parce que je suis en vidéo, donc il faut que l'arme soit face à vous, enfin soit posée bien devant la caméra pour que vous voyez bien, donc c'est un peu galère. Donc voilà, donc là je l'ai mis un peu vite fait n'importe comment, hein, donc elle est en bas de l'arme sur la gauche, voilà. On a le bouton qui est bien accessible ici. Et puis, bah, ça tient très bien. J'aurais pu la mettre en dessous. J'aurais pu la mettre pour qu'elle soit sur le côté. Hein, puisque vous voyez qu'il est, il a une forme spéciale, ce montage. Ou de l'autre côté. D'ailleurs, de l'autre côté, on a ici le contacteur. Donc, le RWX07. Ouais, donc celui-là, c'est magnétique. C'est pas un verrouillant comme le Push to Luck Rod 7 pour la Odin. Donc, il va venir ici tout simplement. Hop, en magnétique, donc vous voyez que d'un côté j'ai la lampe et d'un côté j'ai le contacteur. Voilà, il me permet d'allumer la lampe et il permet également, si j'appuie une fois, elle reste allumée, il faut que je rappuie pour qu'elle s'éteigne. Si je reste appuyé et je relâche, elle s'éteint toute seule. Voilà, donc avec le montage, pareil sur rail et contacteur de qualité, très sympa. Je vous invite à aller également sur mon Instagram, puisqu'il y a pas mal de jeux concours qui vont arriver.
Et puis tous les liens sont dans la description, donc les liens pour vous procurer la lampe, mon Instagram. Je remercie encore Olight qui m'a permis de faire cette vidéo me fournissant du matériel, parce que entre les stands fermés, interdisant la vidéo et tout ça, si on m'envoie pas du matériel, j'ai du mal à faire des vidéos. Voilà. Donc allez jeter un œil à la description, merci encore pour votre fidélité, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui l'ont fait, parce que moi-même je suis le premier à pas finir les vidéos que je regarde. voilà. Je vous souhaite bah, du coup des bonnes fêtes de fin d'année si on se revoit pas d'ici là. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao.